Hello, c'est Falcon 360 à l'appareil, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Lego Marvel. Voilà, on est avec Bruce Banner, voilà, qui se transforme en Hulk. Je suis là, boing. Et voilà, tout de suite, il est beaucoup plus imposant, il impose beaucoup plus le respect. Voilà, alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait les briques Deadpool grâce à l'épisode 10 bis. Donc, j'attends toujours du coup vos commentaires. En fait, dites-moi si ça vous a plu comme concept, etc. Parce que je sais pas si c'est super bien ce que j'ai fait, mais je pense que c'est bien parce que après, si vous voulez ne pas le voir, c'est possible aussi. Hein. Il y en a qui veulent passer direct à l'histoire. C'est largement faisable. J'essaie d'attraper ces pièces là-haut, mais ça ne veut pas. Donc, vous voyez, j'ai le x48, ce qui me donne une somme d'argent absolument mirobolante. Regardez-moi ça, 28 millions de pièces. C'est n'importe quoi. Donc, après cet épisode, je pense en refaire un bis. Enfin, pas après celui-là, après. Donc là, on est à l'épisode 11, du coup. Donc, à l'épisode. Donc, ce sera un épisode 12 bis. Voilà. Ce sera l'épisode 12 bis pour une brique Deadpool. Même pour deux, en fait. Donc voilà, donc là on est parti pour la mission bien chez soi ou bienvenue chez soi, je ne sais plus. Mais en tout cas on est contre Magneto et la Statue de la Liberté, donc ça m'intéresse. Hein, on va s'attaquer à l'Amérique, on s'attaque aux Americans, aux Américains. Donc on y va avec le petit topo de Maria Hill. Prêt pour la balade. Wolverine, d'accord. Bon, bah on est avec Wolverine, c'est bon à savoir. Mais oui, tout à fait. Voilà, si je lui éclate sur la tête, voilà. Il y en a qui s'éclatent des bouteilles en sucre sur la tête. Non, Mister Fantastic, c'est des voitures. Ça se fait. Ça peut se faire. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je... Peut-être qu'il faut tout simplement que je monte. Oui, voilà. Il fallait tout simplement que je monte. Voilà, le petit topo de Maria Hill. La Roxxonne règne sur la production énergétique mondiale. Sa centrale nucléaire, située à proximité de New York, abriterait une sorte de noyau atomique expérimental. Venez, mes frères mutants. Nous devons viser cette centrale nucléaire. Hulk, frappez, grande dame! Hulk, attention! C'est un trésor national. Et son chapeau est très pointu! C'est vraiment de pire en pire. Ça fait tellement aucun sens, quoi. Ah, la Statue de la Liberté qui nous fait une belle reprise, quoi, sur le vaisseau fantastique, c'est n'importe quoi. Exactement. Ah. Waouh, waouh, waouh. Il y a tellement de pièces. Ça va, je te dérange pas trop. C'est une centrale nucléaire, c'est pas ça. Ah oui, d'accord. C'est pas censé être genre ultra nocif. Hein. Pour moi, si on me dit centrale nucléaire, tout de suite c'est nocif, quoi, non? Mais regardez la vitesse à laquelle. Voilà, j'ai trouvé l'hiver, j'ai cassé trois trucs sur le côté, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est la puissance. Hein. À partir de ce moment-là, t'es tellement puissant avec ces pièces. C'est n'importe quoi. Hop, voilà. Donc c'est la mission de la grande dame, apparemment. Hulk peut traverser les déchets toxiques. Mais il est pété, comment ça il peut? Qui a été pété au rayon gamma, c'est ça? C'est pour ça? Ah, ma manette vibre. Que se passe-t-il? Ah, il y a un mini-kit. D'accord. Bon. C'est pas comme s'il était juste devant nos yeux. Donc on va peut-être aller le chercher, voilà. Ça en fera un de moins à... Aïe aïe aïe. Ah non.
Ok, ils sont tous en train de fondre. Waouh, la main avec le flambeau. La main avec le flambeau, quoi. Voilà, hop, là c'était Wolverine. Hop. Je les déclenche. J'avance, hein, j'avance, parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire, visiblement. Alors, bien, tuer des petits méchants mutants, mais bon. Je me demande aussi qui est Mastermind, en fait. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Alors, je suis peut-être une incultissime de Marvel. Enfin, une inculte de Marvel, mais j'avoue que je ne sais pas du tout qui c'est. J'assume que c'est un mutant. Mais je ne sais pas qui c'est. Hop, qui s'est pris. Ah, encore une transformation qui ne fait aucun sens. D'ailleurs, la Statue de la Liberté, enfin, elle se sent bien. Elle vit bien le fait d'être dans une centrale nucléaire. Apparemment, celui-là. Mais Magneto, quoi, qui s'est trouvé la meilleure arme de destruction massive. Et franchement, si quelqu'un en Amérique utilisait la Statue de la Liberté, comment on ferait pour l'arrêter? Est-ce qu'on tuerait vraiment la Statue de la Liberté? Un attrape-souris? On est attends, quoi. Mais c'était trop tendu. Ces transformations, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ces transformations à lui, et il fait tellement n'importe quoi. C'est fou, hein. Ah, ça m'exaspère à chaque fois. La dernière fois, c'était quoi? Un tournevis? Enfin, ça fait vraiment, vraiment aucun sens. Ce que je suis censé faire, là. Tomber comme un caca? Je ne pense pas, mais bon. Que faut-il faire? Alors, je ne suis pas le bon. J'avoue être perplexe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, bon, je ne perds pas de pièces, ça c'est bien, mais... Ok... Ah oui, surtout, pourrais-tu me communiquer la tienne sur le fait que tu tombes comme un caca à chaque fois, s'il te plaît? Ah, même là, tu tombes. Très bien. Très bien. C'est n'importe quoi. Pardonnez-moi, je commente pas beaucoup, je suis désolée, je suis navrée. Mais pour tout vous dire... Ah d'accord. Même là, je ne peux pas, en fait. Oh, ça ne servait à rien. Ah, il décède. Mais pour tout vous dire, en fait, j'ai tourné une vidéo sur Rocket League avant, donc vous ne la verrez pas, hein, malheureusement. Elle est supprimée, déjà. Mais, en fait, vous ne la verrez pas parce qu'elle a été ratée, en fait. Rien n'a été. Ah, c'est une journée comme ça où ton jeu ne veut pas, ton PC ne veut pas... Ta manette ne veut pas, enfin rien ne va, même internet il voulait pas sur ce coup là. Ah non, mais c'était vraiment n'importe quoi. Du coup ouais, j'ai préféré laisser tomber et partir sur Lego parce que c'est un jeu beaucoup plus détente. Même si là j'avoue que je ne sais pas quoi faire, donc ça me... Ou bien, tout simplement, c'est par là, voilà. Je suis Capitaine Obvious, bonjour. Ah non mais attends, il doit y avoir quelque chose par là je pense. Hulk, bah oui. Bah oui Hulk. Mais il peut traverser, lui. Bah oui. Bah oui, bah voilà. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, je fais n'importe quoi, décidément. Vous voyez, c'est une journée comme ça où ça ne veut pas. Ça n'a pas envie, en fait. C'est, je sais pas, mon corps, c'est mon cerveau qui ne veut absolument pas faire ce que j'aimerais bien qu'il fasse. Voilà. C'est une journée comme ça, je pense. Et au final, sur Lego, ça passe à peu près, enfin, à part quelques bugs de cerveau. Ça passe. Hop, on rentre par là. Voilà, parfait. Et là, je vole. Parfait. Oula. Ah, non, c'est bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ah, bah parfait, il a été directement. Mais j'ai vu ce qu'il fallait, là, non ? Wouah! Elle s'est coincée la main. Voilà, alors du coup je suppose que c'est le moment où on lui bloque la main. Ah non, on la frappe, d'accord. Comment ça, tu brûlais la main d'une statue en métal? J'ai une théorie à ce sujet. Merci Wolverine. Je pense vraiment que Logan, le X-Men, est un personnage qui
qui fait un peu contraire au Marvel en fait. Enfin, les gens super intelligents, aux super pouvoirs, etc. Par exemple, Mister Fantastic, Bruce Banner, etc. Iron Man, du coup Tony Stark. Franchement, c'est tous des gens intelligents et qui. Enfin, il y en a comme ça, comme Logan, qui n'en ont strictement rien à faire. Voilà. Il faut bien quelqu'un comme ça en fait. C'est. J'ai l'impression que les X-Men ils sont faits pour être intelligents, super. Super forts, etc. Super intelligents en même temps. Mais vous voyez, il y en a un qui est juste super fort, mais qui est super charismatique sans être super intelligent. Enfin, je trouve ça bien, mais en même temps, c'est bien qu'ils aient fait un personnage qui ne soit pas tout le temps, qui se la raconte pas tout le temps avec son savoir, quoi. Voilà, c'était la théorie de Falcon dans cette vidéo. La théorie fatiguée, hein, on peut se le dire, oui. Parce que je suis en train d'éviter ces paroles, en fait, je me rends compte que je dis n'importe quoi. Je dis strictement n'importe quoi. Oui, Hulk peut traverser, donc je peux lâcher, c'est bon. Oh, et je suis déjà 1 500 000 pièces, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi, donc à 11 minutes. Voilà. Oh. J'en suis même abaillé, hein, c'est pour vous dire. Logan, voilà. Hop. Donc là, je suppose qu'il va m'en falloir un Hulk. Ah non. J'ai voulu récupérer du coup les pièces qui étaient tombées, mais non, ce sera Hulk de les récupérer. Voilà, je les ai. Hop. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il va falloir quelqu'un de très puissant. Oui, quelqu'un de très puissant comme les grands personnages Lego. Que sont Hulk ou l'abomination, Hulk rouge, voilà, tout de suite sera là quoi. Hop, donc toi, tu es morte. Toi, tu es bientôt mort. Toi, tu es morte. Bon, voilà. Toi, tu es morte aussi. J'ai un x4 combiné avec. Oh là là. Ça, c'est aussi une technique que Dante m'a appris. Enfin, que Dante m'a fait remarquer en fait que j'avais pas forcément utilisé volontairement, mais lui c'est ce qu'il fait. Mais en fait, quand il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup de pièces à ramasser, donc il tue d'abord tous les ennemis. Donc on voit un multiplicateur qui s'affiche quand on tue les ennemis, et on combine ça avec le x48 ou le x n'importe quoi qu'on a acquis grâce aux briques de Deadpool en fait. Donc tout ça accumulé. Ça fait un x4. Ça fait un 4 fois pour moi 48. Vous voyez, quand je suis 5,5, ça me fait un x4. Et donc 4 fois 48, tout ça en pièces. Franchement, c'est absolument mirobolant. Ça fait des sommes d'argent absolument folles. Donc, franchement, c'est ultra rentable. Est-ce que Bruce Banner peut traverser où il n'y a que Hulk? Non, il n'y a que Hulk dans sa forme la plus basique. Voilà. Oula, pas le bon. Enfin, dans sa forme la plus basique. Non, pas forcément, mais. Non, pourquoi tu reviens? Le but c'est d'aller là-bas, tu vois, là-bas. Je ramasse les pièces qui sont au sol, hein, en passant, vous voyez. Parce que maintenant, avec le x48, je suis vraiment overcheated, c'est n'importe quoi. Ben maintenant je peux m'acheter toutes les briques que je veux en fait. C'est le x6 qui te sauve tout, hein, j'ai l'impression. J'ai juste l'impression que c'est gratuit. Mais pourquoi es-tu là-bas toi? Non, c'est pas. Mais non. Mais Hulk, mais non. Mais pourquoi? Ah voilà, parfait, il suffisait de sauter. Hop, voilà, il se place automatiquement. Parfait. Donc là, qu'est-ce que ça nous ouvre? Un ascenseur, je suppose. Non, 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 attends. Il y a ça d'abord. Simple à enlever, d'accord. Ou un objet pointu pour actionner cet interrupteur. C'est facile à enlever, vraiment. Ma furette qui éternue là-bas. Interrupteur à griffe. Je me demande quand même à quoi ça peut servir. Ah, d'accord.
Je me concentre un peu sur ce que je fais, je suis désolée, il y a un petit blanc là. Ah d'accord, ça vide le truc, d'accord, je n'avais pas vu cet effet là, je pensais que ça allait sauver la personne qui était sur le côté qu'on a vu. Voilà. Waouh, on n'a pas accès à ces pièces. Oh là là. Oh mais ces gens quoi. Ah mais waouh. Oh là là, c'est pas permis. Ah non, il nous nargue avec des pièces et on n'y a pas accès. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, vous rentrez dans l'ascenseur, vous deux? Et tout ça, ça fait pas de bruit. Ah, comme chez soi, d'accord. C'est la mission, donc, comme chez soi. J'ai dit bienvenue, bien chez soi, donc non, c'est comme chez soi. On sauvegarde quand même. Un petit réflexe, comme ça s'il y a un bug, on peut continuer quand même. Voilà, donc on a besoin de Hulk. Viens ici. Hulk. Hop. On tue la centrale. Ne vous en approchez pas. Vous serez électrocuté. Allez, pas de problème, moi je fais le tour. Donc Hulk doit se faire retransformer en Bruce Banner pour mourir quand même. Je suis désolée, j'ai vraiment pas un commentaire très... très expressif en fait. Mais c'est vraiment parce que je suis fatiguée, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est Rocket League, ça m'a fatiguée, je me suis évertuée pendant une heure à le faire fonctionner. Il a juste pas voulu du tout, donc bon, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, pff, tant pis. Ah non ! Oh là là ! Ils ont pensé à tout ! Ils ont pensé à tout ! Ils ont mis une petite trappe pour nous piéger, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que ceci ? Waouh ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une machine nucléaire de la mort qui tue. Là il y a un sens de Wolverine. On avance, hein, on avance un peu. Hop, hop, hop. Oui, on peut prendre. Oh, on passe à travers un poteau et tout va bien. Ça. Hop là, j'apparais d'un air stylé. Voilà. On les tue. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire hein, dans cette mission. Enfin. Ça se succède et c'est tout quoi, il n'y a pas d'énigme à trouver pour l'instant. Donc voilà, vous voyez là j'ai le x2. Donc toutes mes pièces étaient x2 jusqu'à ce que ça s'enlève en fait. Ça oui c'est temporaire parce que sinon ça serait over-cheated. Enfin, pendant toute la partie peut-être t'as des trucs x10. Plus ton truc que t'as déjà avec les briques, c'est n'importe quoi. Oh non ! Rien ne veut, non ! Hop, voilà, x4. Ah, ça s'est enlevé le temps que je le batte. C'est dommage. Ah non, on tue ça, voilà. Ah, j'ai un ami déconnecté, d'accord. Sachant que je ne vais pas sur le Xbox Live, c'est parfait. C'est payant encore cette chose, c'est fou. Ils se sont pas décidés à le mettre en gratuit comme le PSN. Enfin, sur PS3 en tout cas. Il y a un truc à casser peut-être là. Ouais, voilà. Il y a quelque chose à casser. Ah bah d'accord, on peut le casser qu'une fois. J'essaie juste d'atteindre en fait ce truc. Voilà, juste là. Donc on est à 2 millions, vous voyez, vraiment avec les briques, c'est vraiment ultra rentable. Après, on peut faire tout ce qu'on veut dans le jeu. Donc franchement, si vous devez faire quelque chose en premier, faites ça. Mais par contre, il faut commencer vraiment à faire le jeu libre, etc. Après avoir fait la maison X-Men. Parce que c'est là où il y a vraiment où on a vraiment tous les pouvoirs en fait. Enfin, hormis le cosmique et le magnétique, oui c'est ça. Hormis le cosmique et le magnétique, on a vraiment tous les pouvoirs, donc c'est vraiment le moment où il faut que. Il faut commencer à le faire en fait. Un réacteur à fission nucléaire. J'en ai construit un miniature pour le projet de science.
D'accord, ah d'accord, donc en fait il nous empêchait de passer. Ah, je l'avais pas vu comme ça, d'accord, très bien. Ça s'explique donc. Pardonnez, ouais, je me concentre un tout petit peu sur ce que je fais. Voilà, on casse tout, on récupère tout. Ça ne change rien, même si j'ai des bruits, je récupérerai quand même tous les sous du niveau. Hein. Ça ne changera absolument jamais. Vous ne pourrez pas me changer sur ce côté-là. Voilà. Du coup, hop, on passe là-dessus, on passe à côté, on passe en dessous, voilà. À la fission nucléaire. Ah, ah, ah. Attends, qu'est-ce que c'est pas... Ah, t'es encore là, toi, d'accord. Bon, moi je voudrais Hulk. Ah voilà, parfait. Hop. Voilà, ça, on les a tous tués d'un coup, on a un x3. Non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Hop, comme ça, on la tue. On tue tout ce qu'il y a ici. Voilà. Ah, il va falloir quand même ramener Fantastique ici, parce que sinon il voudra pas. Oui, il y a aussi une capacité avec Logan, donc avec Wolverine, c'est que lui, il se régénère. En fait, donc par exemple, attendez, il ne peut pas mourir, en fait, il peut juste perdre des sous. Mais regardez, si je m'approche du truc nucléaire là, ouah, il meurt. Ouah, il est mort en fait. Ouah, c'est possible. C'est possible, il peut mourir donc. Mais en fait, il meurt, il lâche plein de sous en fait. Mais. Enfin, en fait, je ne savais pas qu'il pouvait mourir. Pour moi, il perdait des sous en fait. Mais vous voyez, son corps était constitué de. Juste d'os et de cheveux, d'ailleurs on ne devrait pas voir ses cheveux. Mais voyez, quand il s'est régénéré complètement, il a fait un... Enfin, il s'est senti bien, donc il a fait un truc enfin, avec ses griffes, etc. Mais du coup, voilà. Et toi, tu me fais toujours perdre des sous. C'est fou. Mais du coup, voilà, il peut se régénérer, Logan. Donc c'est plutôt pratique au niveau des pouvoirs, en fait. Un héros qui peut se régénérer, forcément, c'est très pratique. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et là, je me pose la question à moi-même, en fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu sauter au-dessus? Ah, c'est fou. Aujourd'hui, ça ne veut pas, définitivement. C'est définitif, rien ne veut. Rien ne va plus. Je ne peux rien construire? Oh, bah si, allez. Ah non, 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 il fallait juste casser la porte, très bien. Je vais vous piétiner avec ces souliers en métal. Hé, attention! Pompel! Ouais, on est dans la statue. Je vis à New York depuis toujours, mais je n'ai jamais visité l'intérieur. Laisse-moi ouvrir la voie. Ouah, ils sont dans la statue. Ils sont dans la statue, les mecs. Mais ouah, mais ouah, ouah, ouah. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je pensais... Aïe, 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 aïe. Qui me fait ça? Ah d'accord, une élève X-Men mutante bizarre, méchante. Meurs. Bref, voilà. Tu comprendras, tiens, la mec électrocutée. Non mais franchement... Je pensais, vous voyez, que les pieds des Lego, enfin, à l'intérieur, c'est... Comment? Vous pouvez voir les pieds de Hulk, enfin, vous voyez, il y a un vide, en fait. Je pensais qu'on allait survivre grâce à ça. Mais non, en fait, c'est carrément... Waouh, 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 le nombre de pièces qu'il y avait là-dedans. Mais... on se regarde, hein, parce que, bon, je me suis déjà fait avoir. Mais je pensais pas qu'on allait rentrer carrément à l'intérieur de la statue. On peut visiter à l'intérieur, je pense, mais... Mais je pensais juste qu'on allait survivre et qu'on allait ressortir après, mais non, on est carrément rentré dans le pied de la statue. C'est n'importe quoi. Ça fait juste aucun sens. Il faut le faire. Hein. Donc là, je suppose qu'il faut ramener Mister Fantastique, mais d'abord, je vais ramasser les pièces. Voilà. Parfait. Il y a une grille, donc je supposais que voilà. Ah oui, d'accord. Je suppose que là il faut construire un pont, voilà, un truc qui s'approche. Oui,
Non. Je veux construire. Ah bah voilà quand même. Il a voulu se transformer en théière en fait. Il y avait un léger souci. Il a pas voulu. Du coup ça c'est. Ah d'accord, donc là on peut transporter pendant Hulk. Donc voilà, là c'est un objet magnétique dont je ne peux pas. Je suppose que ça abrite une brique ou un Stanley ou encore un mini-kit. J'en serais plutôt pour le mini-kit en fait. Ah d'accord. Donc j'en ai déjà tué un, hein. J'ai pas fait attention. Ah oui, peut-être juste avant. Ah bah 3 du coup. Voilà. Hop, du coup là on peut transporter Hulk. Voilà, qui va réussir à casser ça. Hop. Voilà. Donc on monte. Par contre, la statue de la Liberté n'est pas aussi délabrée normalement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des trous comme ça partout. Elle a l'air très bien, la statue, elle se porte bien, non? Enfin, là, du coup, si on est à l'intérieur, je suppose que... Non? Ou alors c'est juste moi, mais... Non. Enfin, à moins que ils aient lancé l'assaut et que ça fasse des trous aussi horribles dans la statue... Franchement, je vois pas. Ah, je vais devoir tuer des méchants. Mais d'abord, là, il y a une pièce bleue. Ah, cette pièce bleue. Voilà, merci. Ah, d'accord, t'es rentré, d'accord. Bon, très bien. T'as pas le droit. Tu dois tuer les méchants, toi, d'abord. Hop. Alors, on se calme. Tout à fait. Oh là là. Par contre, l'uppercut de Mister Fantastic doit faire sacrément mal, hein, quand même. Ah, j'arrive pas à toucher. Ah voilà, x2. Hop, parfait. On tue la pancarte, on prend les sous-sous. Voilà, parfait. On va devoir construire un pont, j'imagine. Ou un truc qui enlève le feu. Ouais, une construction diabolique et maléfique et qui me torture l'esprit. Je hais ces transformations en cet enfant. Enfin, c'est pas que je hais ça, c'est que ça ne fait tellement aucun sens que... Oh là là, les pièces, juste par contre, c'est une orgie de pièces, c'est n'importe quoi. Mais enfin, ça fait tellement aucun sens que j'aime pas, en fait. Que j'aime pas du tout. Du coup, on casse tout encore, on casse tout, on avance, on monte dans la statue. Je pense qu'on va devoir atteindre sa tête pour la faire disjoncter, un truc dans le genre. Enfin, c'est possible, hein, c'est une possibilité. Ma furette qui s'est réveillée. Voilà, ça vole. Il y a eu un petit truc qui s'est passé avec le pylône. Voilà, je récupère la pièce. Pour l'instant, c'est plutôt simple, hein, la statue. Enfin, il y a des méchants de mutants extra-lolo trop méchants. Il y a des kikous méchants, quoi. Mais ça, c'est tout pour l'instant. Ah, ça va, ça passe, je trouve. Par contre, avec le... Du coup, il y a eu un petit problème. Ça a pas voulu. Donc, mon timer est faussé, en fait. Je ne sais pas à combien je suis au niveau du temps. Pour moi, je suis à 33. Pour vous, ça doit sans doute être moins... genre 30, un truc comme ça. Il va falloir quelqu'un de très puissant. Hop, d'abord, il va falloir quelqu'un qui puisse tirer une toile. Ou, en l'occurrence, tirer son bras. Voilà, pour faire passer le Hulk, voilà, sans qu'il casse les trucs. Hop, on balance tout, une échelle. De qui est-ce que j'aurais besoin? Toi d'abord. J'ai fait monter d'abord le Mister Fantastic à cause du truc de son bras juste là. Tisseur de toile. Ah non! Voilà, il est mort dans d'atroces souffrances, mais c'est pas grave. Ah non! Ah non, c'est pas vrai! Et les autres, ils vont me rejoindre, je suppose. Ah non, 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 il faut pas que vous me rejoigniez. Non, ne soyez pas gentils, s'il vous plaît. Non. Oh. Là, on a Logan, déjà. Bon, Hulk, normalement, a pas pu passer très loin. Hop, voilà. Au final, il est pas mort. Par contre, c'est pas le moment de refaire la même erreur. Voilà. J'ai pas entendu depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a la musique qui...
qui est un peu spéciale en fait. Ça, elle révolte de l'action. Il y a un petit style hein, dans la musique. Ça passe, hein. Génial. Et maintenant qu'il y a un code rouge. Ah, ma furette. Elle me grimpe. Elle me grimpe dessus. Ah, furette. Pas le casque. Non, pas le casque. T'as pas le droit, le casque. Elle gratte derrière moi. Hop, du coup, on va se retransformer en Bruce, parce qu'apparemment, c'est tout ce qu'on peut faire. Ah non, c'est maintenant que t'arrives, Logan. C'est maintenant que t'arrives. C'est ça. Ah non, mais elle me... C'est diabolique aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est tout l'univers du jeu vidéo du monde qui ne veut pas de moi, qui me rejette, qui me renie en fait. Ah, c'est n'importe quoi. Et en plus, ce soir, je fais du montage. Ok, pardon. Tant pis, on va avancer un petit peu. Je pense que c'est un peu n'importe quoi. Là. Un truc de Logan avec un truc de Mister Fantastic à construire. J'essaie de m'activer un peu parce que du coup je me rends compte qu'on perd du temps sur des choses qui où on devrait pas trop en perdre du temps en fait. Sur des trucs où on tombe quoi, c'est n'importe quoi. Une voiture. Ah, un camion pompier. Définitivement j'aime pas ces trucs à lui hein. Oh non mais regardez-moi ça, ça fait tellement aucun sens. Oui, Furette, oui. Je t'ai vu, t'inquiète pas. Mais oui, je t'ai vu. Y'a pas besoin de me les chouiller, hein. Ah, ma Furette. Oh là là, oh là là. Tu me déranges un peu. Voyez même mon furet. Il fait partie de la théorie du complot. C'est un Illuminati. Regardez-moi ça. Un furet, ça a une tête en triangle, hein. Voilà, c'est un Illuminati. Ah, ma Furette. Moi, oui. Ouah. Allez, va. Cours, vole, petit furet. Et on me déconcentre. On ne veut pas de moi aujourd'hui. On ne veut pas de moi, c'est tout simplement ça. Hop là, voilà. Et moi je ne veux pas de vous. Voilà, un mini kit. Simple. Donc là vous voyez, j'ai le x3. x3, même la brique à 1000, elle est x3. C'est vraiment ultra rentable comme technique pendant un combat. La musique elle est bien hein, quand même. C'est appréciable hein, d'avoir une musique comme ça donc, quand on est dans la Statue de la Liberté quand même. Ah ouais, du coup ils se sont sentis un peu obligés, c'est des Américains donc forcément ils se sont sentis obligés d'honorer la Statue de la Liberté en mettant une musique. Une musique bien. Wolverine, voilà. Parfait. Que se passe-t-il? Ça marche encore, hein, c'est fou. Qu'est-ce que ceci? Une échelle? Eh non mais... Ah non, c'est un escalier. Waouh. Il n'y a pas du sable à l'intérieur de la Statue de la Liberté normalement. Il n'y a pas tous ces engins technologiques, hein, je pense. Non mais franchement, enfin, il me semble que c'est du sable à l'intérieur parce que le sable c'est plutôt dense quand c'est... Je suis le maître. Quelque chose. Appelez-moi Mastermind. Oui. Je suis le seul mutant à posséder le pouvoir réellement imbattable. De contrôler les esprits. D'accord. Une cervelle primitive. Si facile à contrôler. Non, tu me changeras pas en monstre. Jamais. Logan, Mastermind te fait croire que nous sommes tes ennemis. Tu dois résister. Ah non, d'accord, il me tue. Il me tue. Non, 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 non. Logan. Non, non, non. Attends, comment je peux me battre? Comment je peux faire? Logan, 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 Logan. Ah, je dois le taper, d'accord. Donc je dois taper Wolverine. Très bien. C'est faisable, c'est faisable. Quoi? Waouh, le mec. Ah, c'est le Magneto qui nous lorne, c'est hein, comme ça. Il nous lorne, il nous regarde. Nous inflige la honte de notre vie. Bon, on va prendre Hulk pour faire un petit nettoyage comme ça, voilà, parfait. Mais en fait j'ai l'impression qu'il fait revivre à Logan son
son moment où il est devenu vraiment véritablement Wolverine. B, 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 je fais plusieurs fois B. Il se met des baffes. Où suis-je? Que s'est-il passé? Ça va? Mastermind avait pris le contrôle de toi, Logan. Il est fier de lui. Waouh, il nous affiche ce qu'il voit. L'esprit scientifique s'avérera. Oh, c'est bugué! Oh, c'est bugué! Ouah, c'est bugué! Secoue-toi, les Lastok! Arrête! Laisse-moi tranquille! Ouah, c'est bugué là-bas, regarde-moi, ça c'est bugué! Je comprends pas trop ce qu'il me dit là, j'avoue que j'ai un peu bugué là. Mais là-haut, regardez-moi ça, c'est ultra moche! c'est moche au possible! Ah, il fait la même prise qu'il fait dans les 4 Fantastiques à la chose. Au moins, ils ont repris ce classique. Hop, je comprends. Mister Fantastic, voilà. Là, il faut se dire qu'on est bien dans le crâne de la Statue de la Liberté. Hein. Waouh, 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 sa tête elle danse, c'est n'importe quoi. Hop, on fait B. 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 Oh, c'est bugué, c'est n'importe quoi. A-t-il pris le contrôle de mon esprit? Oui, ton esprit faible et scientifique. Enfin, du coup, faible et scientifique, je sais pas si ça va ensemble. Mais... Il y a deux esprits différents. Les deux vont m'appartenir. Donc on voit sur les bords de l'écran, là c'est du coup là c'est un tout à l'heure c'était jaune les bords de l'écran, maintenant c'est vert, hein, ça dépend du personnage que Mastermind contrôle, mais Mastermind donc littéralement le maître des esprits, donc la traduction est pas si mal, hein, on va se dire. Non, elle est même. Bah, du coup, c'est littéral, donc c'est bon. Ah, par contre, Hulk, du coup, est plus difficile à battre, j'ai l'impression. D'accord, donc on doit le battre quand il est Bruce. Seulement. Ah, Logan, il veut pas. Ah, Logan ne veut pas. Taper Bruce, en fait, il tape forcément les policiers qui sont ici au milieu. Plutôt embêtant, en fait. Ah, voilà, donc là il est Bruce. Je le tape pendant qu'il est Bruce. Voilà, il a reperdu un cœur. Donc au final, les boss, c'est nous en fait. Enfin, je veux dire, les boss de fin du niveau, c'est nous. Enfin, c'est Mastermind, mais il contrôle nos esprits. Non, vous, mon destin est de tous vous contrôler. Alors maintenant, on doit le battre seulement, ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux masters. Là, en bas. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Noyau atomique. Et hop, décapité. Il a décapité la statue de la liberté. Il a osé. Et on peut la jouer, la statue de la liberté. Elle s'appelle Liberté. J'espère qu'on la joue en taille réduite. Oh, si on la joue en grand, c'est tellement pété. Mais ce serait tellement pété. Oh là là, c'est n'importe quoi. Il a osé. Il a osé, il a osé. Bon, on a fini le niveau au final. On a réussi à le finir malgré cette journée où ça n'aura pas voulu du tout. Ah, on est à 31 millions. 31 millions, c'est pas mal, hein. C'est pas mal non plus. 3 unikits, très bien. True Believer, parfait. Donc j'ai gagné 2 briques. Oh, je suis désolée, c'était pas forcément un épisode qualitatif. En plus, il y a ma furette qui était dissidente derrière. Hein. Voilà, comment furet, voilà. Rien n'a voulu.
Mais on l'a fait quand même. On l'a fait quand même, c'est pas mal. Donc je vais vous laisser du coup... Ah oui, pardon, avant, j'allais oublier. Mais en fait, on m'a dit aussi en commentaire où... Non, c'est Dante qui m'a fait remarquer, mais en fait, je n'ai pas dit précisément le nombre de briques que j'avais ramassées dans mes... Au final, grâce au montage. Donc au final, vous pouvez voir, j'ai ramassé, bon, ici, là, maintenant, donc 103 briques. J'ai 6 Stanley pour l'instant, mais je les ferai en off, les Stanley, parce que franchement, ils sont pas forcément super intéressants. C'est juste des petites missions comme ça. Les mini-kits, je ne les ai pas forcément cherchés, en fait. Parce que il y a des trucs qui sont assez difficiles, il faut aller voir des solutions. Donc je ne sais pas si je ferai le jeu à 100%. Ça pourrait se faire, mais bon, c'est carrément optionnel, voilà. Donc, et au niveau des personnages, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je n'ai pas de chiffres précis. Je vous dirai ça juste après cette petite vidéo. Chef, Magneto a profané la Statue de la Liberté. Non, mais où va ce pays ? Captain Rogers, je veillerai personnellement à ce que la Grande Dame soit réparée. Je le jure. Si Magneto est dans le coup, ça veut sûrement dire qu'il va utiliser ce noyau atomique pour rendre l'astéroïde M opérationnel. Fatalis doit construire une sorte d'arme spatiale et il a besoin d'un moyen de transport. Prêt, Captain ? Prêt, monsieur. Si la puissante chose aux yeux bleus veut bien me donner un coup de main. Un peu, mon neveu. Et plutôt deux fois qu'une. Ça va chauffer. Pas encore. Attends d'être sur place. Bon, allez sur la piste d'atterrissage. La Veuve Noire va vous emmener. Voilà, donc, nous revoilà, on est sur des pistes d'atterrissage, apparemment on va partir avec la Veuve Noire. Rejoignez l'avion sans tarder. Il faut que vous atteigniez l'astéroïde M avant l'astéroïde M. Ah, du coup, l'avion est sur la piste d'atterrissage, mais là, en bas. D'accord. Très bien, bah, je le ferai, du coup, pour le prochain épisode. J'attendrai ce moment-là. Voilà, on prend les pièces. Ah, du coup, je n'ai pas le x48 vu que je suis revenue. Ah, d'ailleurs, j'ai pas regardé si ça m'avait gardé le x48. J'ai peut-être fail là sur la seconde partie. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer donc le nombre de personnages que j'ai. J'en ai 60 sur 115. J'ai 2 briques Deadpool, 6 Stanley, 14 True Believer, 103 briques et 32 mini kits. Et 31 802 960 pièces. C'était plutôt chaud à dire ça. Et j'ai fini le jeu à 26,5%, ce qui est dérisoire. J'ai fait un quart du jeu avec toutes ces pièces. Donc voilà, ça aura sans doute évolué jusqu'ici au prochain épisode en fait. Parce que je fais du off, hein, encore et toujours. Donc je vous ferai un petit compte rendu au début de l'épisode pour vous dire ce qui a changé. Bon, hop. D'ici là, je vous souhaite quoi ? C'est une bonne question, ça. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Lego Marvel ou de Castlevania, hein, au choix pour ceux qui suivent les deux séries. N'oubliez pas le petit pouce vert de l'amour pour la fatigue de Falcon qui doit se reposer. Hein, mettez un pouce vert si vous voulez que je me repose pour revenir en meilleure forme. Hein, si vous tenez à moi, mettez un pouce vert. Il n'y aura aucun pouce vert, je m'en rends compte, oui, maintenant. Il n'y aura aucun pouce vert, en fait. Ah, c'est trop ça. Bon, c'est pas grave, je vous souhaite mais pourquoi je dis vous souhaite ? C'est fou, hein ? Bon, je vous retrouve la prochaine fois dans un prochain épisode. Le petit pouce vert, cliquez pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez-vous dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Allez, tchuss !